Bien, salut les gamins, si vous êtes nouveau, bien je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur The Division pour la partie numéro 4, non 3. Est-ce que c'est 3? Je pense que oui. Donc c'est la 3 ou la 4, je sais vraiment pas. Je pense que c'est la partie 3, je suis pas bien sûr. Mais en tout cas je vais, le numéro de la partie est dans le nom de la vidéo. Donc aujourd'hui en fait on va faire je sais pas trop, on va essayer de s'occuper un petit peu sur The Division. Il y a énormément de choses à faire. Donc je vais prendre ça, ceci, ceci. Je fouille vraiment tout, attention, comme ça. Donc oui, ça fait quand même un petit bout que j'ai joué. Vous pouvez voir que je suis rendu niveau 13 maintenant. Donc là, maintenant je suis avec un Hog et un Scar H, je crois. Oui, c'est ça, Scar H. Donc en fait aujourd'hui ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je trouve une personne disparue. Donc en fait j'ai vu ses traces par ici, mais ça me dit qu'il est par là-bas. Donc on va y aller, bien sûr. Ok, parfait. Il est juste là. Ça va ici. Oh non, c'est pas par là, désolé. Ok, tout 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 tout. Donc je suis vraiment content pareil de ce jeu-là parce que c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment nice, pareil comme Donc ça c'est la personne qu'il faut qu'on... Attends, putain, on a de l'eau, de la bouffe, des piles. Tu me rapportes ça, tu prends ce que tu veux. Ok, ok. On se retrouve à l'endroit habituel sur la 39e ouest. 39e ouest, ok, parfait. Bon. Là je crois qu'il faut... Ok, c'est correct, c'est correct. On va fouiller ça ici. Il y a un truc, mais je n'ai pas de besoin. Bon, là, je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse. À mon avis, il faudra... Ok, ouais, donc ça, en fait, c'est la partie 2. On va aller juste ici, la 39e ouest, comme qu'il avait dit dans l'écho. Ok, ça, c'est où est-ce qu'on a été tantôt. On n'a pas besoin d'aller là. J'avais vu qu'une porte pouvait s'ouvrir tantôt, mais je sais pas si... En tout cas, on va y aller. Donc là en fait je suis quand même assez beaucoup avancé dans le jeu comme que vous pouvez le voir. Ben pas genre vraiment beaucoup. Il y a un de mes amis qui est rendu level 27. C'est fou. Je pense qu'il a upgradé au level 28 quoi comme ça, mais c'est juste malade. Je suis quand même assez bon. C'est juste parce que genre j'ai l'école entre temps. Fait que je peux pas tellement gamer. Mais bon, puisque ça va être la fin de semaine dans pas longtemps. T'as vérifié les voitures? Non, pas encore. Je vais. Unité 4, unité 4, on a besoin de vous à la barre. Là, en fait, il est... Merci, on s'en rend. Ah, merde. Chut, ferme-la, écoute. Je peux pas faire le deal ici. Garde North Station à la sortie de la petite rue. Je te retrouve là-bas. Oh, fuck. Ok, donc là, en fait, il est un petit peu dans la merde. Eh, il y a des endroits très simples, là. Mais la neige est trop fine pour les suivre. Donc là en fait ils l'ont trouvé je crois. J'ai entendu un truc. Je pense pas, je suis pas sûr. Ok, ça va être correct. Est-ce que c'est bon? Ok. Là, faut qu'on aille à la mission numéro 3, celle-là. Michael Dufresne. Ok, parfait. C'est celle-là. C'est juste celle-là ici. C'est ça en fait, c'est la partie 3 parce qu'il y a plusieurs parties. C'est la première fois que je vois ça. Ce type de mission-là. Mais bon, c'est nice. Enfin, ça va être bien fait. Et voilà. C'est ici. Là, on va reculer un petit peu. On va aller voir par là-bas. Ok, ouais, à mon avis, il y a des ennemis, mais je les vois pas. Ou ils sont en haut, dans le building, ou peu importe. Mais nous autres, ce qui nous importe le plus, c'est vraiment cette personne-là. Donc, on va aller essayer de le retrouver. J'aime beaucoup ça quand il court, juste comment est-ce qu'il tient son arme. Je trouve ça nice. Je trouve ça vraiment cool. Parfait. Oh, il faudra qu'on descende, ok. Il est passé par là, ensuite il est passé par là. À mon avis, il a essayé de s'enfuir, il Shit. Donc mon ami, en fait, semaine, Sam, va s'acheter... il va s'acheter Far Cry Primal dans pas longtemps. Donc j'ai vraiment hâte qu'il l'aille. Donc en fin de semaine, à mon avis, il va faire une ou deux vidéos, ça se peut.
Puisqu'ils vont être contents, ils vont faire sûrement deux vidéos, ça se peut. C'est un truc que j'ai hâte de voir. Je suis infirmier. Alors, vous l'avez? On est déjà à la clinique. Ok. Ça va jusque là. Il y a une personne là, je vais checker voir si je peux l'examiner. Non, je peux pas l'examiner. Y a-t-il une autre personne là? Nope, y a personne. Y a quelqu'un ici? Je peux pas l'examiner. Oh oui, je peux l'examiner. Donc là ils ont monté jusqu'en haut. Après ça, faut que j'aille à la partie 3. À mon avis, c'est celle-là. Puisque c'est la nouvelle. Comme ça. Yes, partie 4. C'est la première fois que je vois une mission secondaire aussi longue. Sérieusement. Parce qu'il y en a quelques-unes, mais c'est souvent comme par exemple protéger la base ou peu importe. Mais là, c'est la première fois que je vois une mission aussi longue que ça. C'est sûr. Ensemble là. Et voilà. Parfait. Ok. Je vais essayer de m'avancer un petit peu plus. Je vais recharger toutes mes armes. Ah, il y a une poignée, c'est bon. Je vais la prendre parce que c'est. C'est quand même assez. Assez important. On a vu quelque part ici. Dieu merci. Yes. Complètement craqué avec ce type là, Smokes. Je savais que Kendall enverrait quelqu'un pour me tirer de cet enfer. J'ai une dette envers vous. Parfait. C'est bon, bah on a eu des petits gains de combat, c'est correct. Maintenant, ouais, ça c'est les XP et puis l'argent que j'ai eu. Donc à date, je sais pas combien d'argent que j'ai en tout. Je sais vraiment pas. Je sais pas comment est-ce qu'on fait pour voir ça. À mon avis, il faut juste faire ça même. J'ai 9883$. C'est beaucoup. C'est très beaucoup. Mais par exemple. Ok, ça c'est 27. Oh, ça c'est 30. Ok, parfait. Je vais mettre ça. Les autres, je peux les démanteler parce que ça va pas me servir à grand chose. Fait qu'en fait, ça va me faire du tissu pour la fabrication de d'autres matériels. Si j'en veux d'autres. Celui-là, je vais prendre celui-là parce qu'il est beaucoup plus avancé. Donc je vais détruire les autres. Je vais les démanteler pour avoir des tissus. Celui-là. Puis celle-là. Et voilà. Comme ça. Donc là, en fait, je suis quand même assez beaucoup avancé. Parfait. Ouf. Donc en fait, c'est vraiment ça le jeu de Division. Faut vraiment qu'on fasse de la survie, en fait. C'est vraiment un jeu de survie. Puis c'est très très cool. Parce que moi, les open world, j'adore ça. Puis en plus que c'est un jeu de survie, je trippe ma vie. Mais vous pouvez pas savoir comment. En fait, il y a ceci, il y a ceci. Quand j'ai mis un laser. Oh, c'est vrai, il y a un petit laser dessus. Si vous voulez un petit conseil, puisque ça dépend pour certains armes, ça ne marche pas pour la K47, mais bon, pour certaines armes, si vous voulez plus de précision, tirez en rafale. Tirez pas comme ça, tirez plus comme ça. Mais puisque, mettons, cette petite arme-là a pas beaucoup de a pas beaucoup de recul, puisque j'ai vraiment beaucoup de trucs dessus. Qui améliore la stabilité, ben j'ai pas besoin de tirer en rafale. Mais par exemple, pour celui-là, mon Scar L, il est très très très. Il y a beaucoup de recul, regardez. Comme ça, mais si je tire en rafale de même, il y en a moins. Je sais pas si vous voyez, ça va mieux. Donc, essayez de tirer en rafale, puis baissez un tout petit peu votre joystick droit pour avoir une plus belle stabilité. Puis ça, en fait, c'est vraiment un truc que je fais depuis le début du jeu. Donc ça, c'est très 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 important. Non, ça sert à rien de juste faire ça. Et voilà. C'est tout. Ah, yes, il y a un petit truc, c'est quoi? Un tour de coup. Ok, parfait. C'est bon. On commence à avoir beaucoup de trucs, là. Maintenant. Pas ça. Ça ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc en fait, je vais couper, puis tout de suite après, je vais aller dans une autre mission, puis je vais recommencer la vidéo. Parce que c'est important, là, donc
Vous avez fait le test à température ambiante ? Vous aviez dit que... J'avais dit à température ambiante, vous comprenez ? Oui, oui, j'ai juste fait un écart de température. Bon, vous savez quoi ? Je vais le faire moi-même. Alors, arrêtez tout, on va simplement faire comme si rien ne s'était passé. J'arrive pas à croire qu'on manque de personnel qualifié en plein milieu d'une épidémie. Bref, le point positif, c'est qu'on a commencé à étudier ce que vous avez rapporté. Depuis que le docteur Ellis a repris la gestion de l'aile médicale, je peux enfin me concentrer sur mes recherches. Ma femme dit toujours que je m'entends mieux avec les virus qu'avec les humains. Ou plutôt mon ex-femme. Ouais. Désolée, je m'égare. Continuez à faire ce que vous faites. On est à mi-chemin d'avoir trouvé un vaccin, et si on peut compter sur votre aide, on va y arriver. Ok, parfait. Bon. En fait, je sais pas si vous avez compris, mais elle est lesbienne. Ouais. C'est bon à savoir. Pas tellement en fait, mais bon. Ok. Pharmacie, on peut pas tellement prendre ça. Aide médicale, qu'est-ce que je pourrais bien améliorer là-dedans? Quarantaine, ça sert à rien, ça non plus. Ok, donc il faudra vraiment que j'aille 1000$, 1000 points pour utiliser ça. Bon. Ok, voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Regarde voir, il y a rien. Ok, ouais, bref, t'as juste de la merde. Blah. Non. qu'est-ce qu'il y a ici? Mode performance transformé. Portée de plan de l'abri intelligent. Ok. Grand chargeur, non, j'ai pas de besoin. Et Estibol, 4000, ouais. Ils veulent. Frein de bouche. Est-ce qu'il y en a un qui peut se mettre sur un Hog Para XS? J'aurais dû te l'acheter parce que je veux un silencieux sur mon Hog, mais je suis pas sûr. 25%. Oh, est-ce qu'il se met sur le Hog? Oui, il se met sur le Hog. Parfait! Je vais prendre ça. Maintenant, il se met sur le Hog. Ah, stick. Je sais vraiment pas si... c'est quoi? 8, merci d'être passé. Ok, attends ici. 2 secondes. Inventaire. Ça. Viseur. C'est quoi que j'avais mis? Grand chargeur. C'est ici. 25%. Et voilà. Maintenant, poignée. Oh shit, attendez. Deux secondes, là, c'est juste que ça, c'est quand même assez important. Ça ici, il fait quoi? Celui que j'ai en ce moment. C'est le rouge. Celui-là. 5. 5 de stabilité. Puis celui-là, il fait combien? Qu'est-ce qu'il faut? 5 de stabilité, puis celle-là, elle fait 5,50. Ok, donc ça sert pas tellement à grand-chose que je la... Que je la mette là. Non, ça je pourrais peut-être acheter ça, ouais, ça serait utile pour les ouais, ce serait bon ça. Parfait. J'ai acheté ça pour aucune foutue raison, mais bon. Tout. Bon. J'avais pensé à faire une mission sauvetage jetage. Donc je pense qu'on va aller faire ça, puis après ça va être tout pour la vidéo. C'était juste une petite vidéo pour aujourd'hui. Donc je vais couper puis je vais y aller. Donc on se revoit tantôt. Puis il y a beaucoup d'ennemis, donc je pense que ça va être ça qu'on va faire maintenant. Parfait, là on va se mettre à courir juste ici. Ah, il y a un ennemi juste là. Aussi, mettons, quand est-ce qu'une personne s'apprête à lancer une grenade, pas quand il la lance, mais quand il s'apprête à la lancer, ou un petit peu plus avant, je vous conseille de tirer dessus, comme ça il va manquer sa shot, puis il va juste se lancer dessus. Donc ça, en fait, c'est vraiment un petit truc, juste comme ça, c'est pour vous. Il va me faire chier, je suis sûr et certain, donc je vais le tuer tout de suite. Parfait, et voilà, voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ah, c'est de la merde. Chut. Tiens. Et voilà. Ok.
On va aller se promener encore un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Tout, 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 tout. Ok, donc il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. On va essayer de se rendre à la planque le plus rapidement possible. Parce que si je fais trop longtemps de vidéo, ça va mettre beaucoup trop longtemps à downloader. Donc ça aussi qui va me faire perdre du temps. Parce qu'il faut que j'essaye d'être à la... En même temps que mes amis. Puis déjà là qu'il y a une grosse avance sur moi. Je suis comme un peu dans la merde. Parce que quand je fais des missions avec lui, c'est très 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 difficile. Et voilà. Ok. Pou pou pou. Un petit truc là, mais je vais le ramasser tantôt parce que là c'est un petit peu une perte de temps. Donc je vais essayer de pas trop faire une vidéo longue là. Et donc c'est ça la planque. Ok, ben on a fait ça pour rien. Donc je pense que la vidéo va se terminer ici. Je vais en faire un autre demain, ne vous inquiétez pas, il y en aura un autre. Donc merci énormément de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça nous fera extrêmement plaisir. C'était Jules de NGM qui vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.